bika e Yawe fongola lola basali bazunguya Yawe fongola lola makambwe bomana e Yawe fongola lola ye Beta maboko wana makasi Na ngambwa banguna na yo ezo bongo na bakake Lobite lelo e Yawe e Lobite siko yo Bien-aimés, c'est très important pour nous de saisir ce que nous voulons apprendre aujourd'hui et de mettre cela en pratique. Puisque le monde où nous sommes, c'est un monde qui est devenu un monde très compliqué. Satan est entré de jouer avec les hommes, les enfants de Dieu. Satan veut faire son plein, mais nous croyons et nous avons un Dieu qui bouleverse tout. Amen. Et le premier miracle de la Bible. Nous voulons parler de un des premiers miracles de la Bible. Nous allons les parler en trois tranches, en trois façons. Nous voulons parler de la repentance. Nous voulons parler du mot repentance, qui vient de le verbe se repentir. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à mieux comprendre cela. Dans la repentance, bien aimé, il y a aussi la conversion. La repentance, c'est-à-dire, c'est repentir, changer de direction. La conversion, bien aimé, c'est un retour vers Christ. Et vous verrez aussi les gens parler de la nouvelle naissance. Recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Changer de direction et commencer à le suivre. Toutes ces trois choses, bien-aimées, se repentir, se convertir, la nouvelle naissance, ou bien être de nouveau, ça marche ensemble. Ces choses, bien-aimées, nous allons un peu essayer de se tirer verset passer par là, pour que nous puissions bien saisir l'importance et la valeur de ces choses que les gens ont oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se donnent toujours au miracle et aux guérisons. Mais ils ne savent pas qu'avant d'avoir sa guérison, ce miracle ou bien son miracle, il faut recevoir Christ dans sa vie. Il faut avoir Jésus-Christ dans sa vie pour que lui puisse commencer à opérer à travers ses vies. Qu'on appelle peut-être faiseur de miracles. Les gens confondent les choses. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 15, verset 7. Il nous dit ceci. De même, je vous l'ai dit, il n'y aura plus de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se répond que pour 99 justes, ou bien 99, qui n'ont pas besoin de repentance. Amen, amen. Oui. Il aura une grande joie au ciel. Le ciel va être dans la joie. Christ va faire la fête. Le ciel va bouger puisqu'il y a une personne qui s'est repentie. La repentance. Jésus dit que les gens ont oublié cela, bien aimé, maintenant ils parlent des miracles. Ils suivent les miracles. Comme des animaux qui sont en train de suivre le berger. Comme les troupeaux, plutôt des berger, sont en train de suivre leur berger. Ils suivent les miracles, des guérisons. Mais ils ne savent pas de l'origine. Qui guérit qui? Celui qui guérit les gens. Aïssaou,
il a été dans des maisons. Le miracle, celui qui fait des miracles, il est vraiment un serviteur de Dieu ou bien un serviteur de Satan. Les gens peuvent faire ce qu'ils voient. Les gens veulent voir le naturel, mais ils ne veulent pas voir le surnaturel. Il y aura une joie. Une joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Puisque 99, juste qui n'ont pas besoin de repentance. Voilà bien aimé, un miracle. Celui qui fait gagner une âme à Christ a opéré un grand miracle. Et il a la joie au ciel. Mais quand il y a la joie au ciel, et toi aussi tu es béni, nous disons la parole de Dieu dans Jacques 5, verset 20. Il y a une joie au ciel, comme je disais tout à l'heure, pour une âme qui est sauvée, pour une âme qui se repent, pour une âme qui a connu Christ, pour un pécheur qui a changé de vie, Jacques 5, verset 20, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà. Celui qui va pécher quelqu'un qui était dans le monde, celui qui va faire convertir quelqu'un pour l'amener en Christ, celui qui va parler à quelqu'un pour l'amener la nouvelle naissance afin qu'il puisse naître de nouveau en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Bien-aimé, là il y a l'autorité de Dieu qui agit. Et il y a des promesses divines pour cela, pour celui-là qui a ramené une âme en Jésus. Amen, amen. Luc chapitre 16, verset 15 nous dit ceci, bien-aimé. Luc chapitre 16, verset 15. Voilà. Il leur dit, vous vous êtes ceux qui font passer pour juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Oui, c'est très important, bien aimé. Vous êtes ceux qui font passer pour juste devant les hommes, car Dieu connaît vos cœurs. C'est là, bien aimé, qui se répandit. Bien aimé, quelqu'un qui est converti, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ici quelque chose de très important dans 1 Thessaloniciens. Considérez celui qui s'est converti aujourd'hui, celui qui était dans les idoles, celui qui était dans les magies, celui qui était un grand féticheur. Aujourd'hui, il est devenu un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il est devenu un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, il a reçu Christ dans sa vie. À cause de quelqu'un qui est allé lui parler de la parole de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes tourné des idoles vers Dieu pour servir les dieux vivants et vrais. La conversion, ça veut dire quoi? Colombo là-bas, Missale et Amouridi, Colombo là-bas, idole, Colombo là, Mizani Zambi, pour se convertir, ça veut dire Colombo là, et si comme là, pour se faire un pas vers Christ.
pour servir les dieux vivants. Est vrai, c'est un miracle. Un grand miracle de l'aîné. Par rapport à celui aujourd'hui qui vient à l'église pour se mettre à faire un miracle et retourner à sa vie normale. Combien de gens aujourd'hui de l'aîné qu'on avait prié pour eux qui ont quitté l'église puisqu'ils étaient seulement pour une seule mission. Ces âmes ne sont pas des âmes, ces gens ne sont pas des âmes caïen. Ils étaient venus pour un profit. Après, ils sont retournés, ils ont retourné leur vie normale. Mais s'ils étaient venus pour Christ, pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur, ils sont dans leur vie. Et commencer à le servir, ils ne vont pas quitter. Puisque quand quelqu'un a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand quelqu'un s'est repenti, quand quelqu'un aime de nouveau, il va commencer à prier pour un problème qui va lui arriver. Le miracle va s'opérer. Il va commencer à demander à Christ pour une maladie quelconque là, il aura la guérison. Les miracles, les guérisons viennent après la repentance, ils viennent après être nés de nouveau, ils viennent aussi après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais les gens aujourd'hui, ils n'ont pas tous dans leur vie, ils sont des athées. Ils ont leurs idoles dans leurs poches. Mais ils veulent qu'on puisse prier pour nous puisqu'il a du cancer. Après avoir reçu la guérison, il va vers sa vie, il va retourner dans sa vie normale comme ils ont tout nous dit. Mais une vraie essence, c'est quoi? Nous disons bien aimé. Jean, chapitre 3. Jean 3, verset 3. Écoutez. Jésus répondit et dit, en vérité, je vous dis, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comme il y a un azali, comme il y a un sol, il y a un sol. Ce que moi, toi, bon temps, il m'a dit, il m'a dit, après, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, c'est repartir, c'est quoi? C'est changer de direction. Ça veut dire, de là où tu as été, dans la vie mondaine, venir en Christ. C'est convertir, c'est quoi? C'est retourner. Ça veut dire, retourner vers Christ. Je marchais en suivant la voie de Satan. C'est ça, c'est convertu. L'être de nouveau, c'est ça la conversion. Être né de nouveau, bien aimé, c'est s'engager à venir recevoir Christ qui retourne comme Seigneur et sauver dans sa vie. Et commencer à le servir. Bien aimé, la repentance, la conversion, c'est la liaison dans l'Église et commencer à suivre les commandements de Dieu. C'est adhérer. Ça veut dire, qu'on dit quoi qui ça, peut qu'on va dans le sol de ils disent, il est clé l'eau. Quelqu'un qui quitte, disons, qui prenne la décision d'aller suivre l'instruction, la constitution, les statuts d'un parti politique quelconque et y adhérer et devenir membre. C'est ça. C'est ce qu'on appelle se repentir. C'est ce qu'on appelle la conversion. Amen. Amen. Cela veut dire délégué. La conversion, cela veut dire retour à Dieu et au commandement. À ses commandements. Retour à la justice de Dieu. Et de l'amour de Dieu. Les miracles vont disparaître un jour. Il y avait aussi le faisceau des miracles. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont morts avec leurs miracles. Amen, amen. Mais c'est que je suis maintenant pour les miracles. Qu'est-ce qu'ils vont y devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est comme aujourd'hui, Bakmi va
akomisi nzambe na ye. Amen, amen. Bakini no komisi kwa mara na ngulu. Lazare sima ya oyo seje de miracle. Oyo kwa ta guérison. Kaka sima na ye. Biblia na kutaka ni susu te. Na pamo bakaka sima na ye. Lo bana zone kwa ta ni susu te. Na kunika kwa sima na ye. Ake na sri na ke. Ake na ro na ke. Na ke na ke na zi na ke. Puisque on a fait de miracle. Mais pour y en yes kat na ye zalite. Amen. Tu dis bien beau que Dieu, que Jésus a changé l'eau en vin dans les malades de l'os. Bien aimé, mais c'est reparti. Naître de nouveau, c'est un grand miracle plus que le miracle ordinaire. Je suis guéri du diabète. Et après, est-ce que Nazaré est jusqu'à l'église, voilà? Oui! Sida et Sida, Mbasso et Kauka. Est-ce que ça me l'a dit sous ce cas? Non, la salle est arrêtée. Ma faiseur de miracle, ma communauté, ma dipi, tant que les malades n'ont pas été présentés. Eh bien, ceux qui ont des hommes de Golongolo, n'ont pas été en bas. Je connais bien la main. Quand notre bien aimé Sida s'est venu ici, on en avait dit beaucoup que Dieu a guéri. Nous, on croyait qu'ils sont dans des écrits quelconques. Qui s'enquérait entre eux.
disant que ceci, quelle doctrine nouvelle est celle-ci, car il commande avec autorité même aux esprits immondes et ils obéissent. Amen, amen. Oui, les gens qui se posent des questions de la puissance de l'autorité de Dieu dans la vie des tristes. Oh, c'est lui qui a Jésus dans sa vie. Il peut même vivre aux montagnes s'il a la foi de se déraciner là où il se trouve et aller de l'autre côté. Amen, amen. Oui, il a l'autorité de Dieu. Quelqu'un qui est vraiment, qui s'est repenti, qui a reçu Christ, bien aimé, Christ va commencer à venir dans sa vie. Il va même commencer à commander aux esprits, et les esprits vont lui obéir. Amen, amen. Nous sommes toujours dans Acte 3, verset 19. Acte 3. Acte des apôtres, chapitre 3. Acte chapitre 3, verset 19. Répandez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés. Afin que vienne de temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur. Amen, amen. Bon, voilà le thème. Pour être ma soeur, la Bible, nous sommes et le roi. Pour vous entendre, il y a six cas. Vous voyez, je suis un peu. Allez, je vais couper sur moi, moi, malade, après, moi, place, disons, moi, cinq places, beauté, assez réfléchir, assez rafraîchir, assez rafraîchir. Amen. Ça veut dire quoi? Assez moi. Disons, acquis sa malade ou le courrier aliat. Amen, amen. C'est ça que la condition voulait nous dire. Répandez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, afin que vienne le temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur. Très important. Jérémie 3, verset 22. Je vous donne tous ces versets-là pour que vous puissiez savoir comment utiliser cela. Car c'est un miracle, c'est répandu, c'est un miracle, et un grand miracle, bien aimé, plus que tant d'autres que vous avez aujourd'hui, pour quelqu'un qui s'est converti, qui a resté Christ, et pour une âme sauvée pour Christ, il joue au ciel. Amen, amen. Jérémie, chapitre 3, verset 22. Jérémie 3. 22. Révélez, fils fidèle, j'ai guéri votre fidélité. Nous voici, nous venons à toi, car tu es l'éternel notre Dieu. Amen, amen. Zambalobi, Boya, Banangai, Oyo, Mosele Koyokate, Oyo, vous avez fidélité, la guérir et fidélité dans les noms. Babolobi. Toye, nous voici. Toye est pas dans le papa. Pour que vous allez Zambé. Zambé Nabisso. Pour que vous allez Zambé. Papa Nabisso. Je relis en français. Révélez, fils fidèle, j'ai délivré votre fidélité. Nous voici. Nous venons à toi, car tu es l'éternel notre Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, Christ nous demande. Vous demandez encore, vous-là, qui n'ont pas encore changé de vie, de venir à lui. Vous qui êtes encore des fidèles, Christ vous appelle. Il a besoin de nous. Il a besoin de vous. Mais nous, il nous a dit comme ses enfants.
Il vous appelle infidèle. Venez à lui. Car il est l'Éternel, votre Dieu. Amen. 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 Et pour aller vers la fin, nous lisons les Corinthiens 7, verset 10. Alléluia. Des Corinthiens. Amen. Oui, nous lisons des Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Des Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que nous ne regrettons pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen, amen. Ah, ici, bien-aimés, nous avons des promesses divines. Pour la retour, Yahweh Zambé. Retour à Dieu. Amen. Tristesse. Selon Zambé, la vie de l'aîné. Ils allaient pour produire repentance, se convertir, se repentir. Ils allaient pour mes salut. Amen. Mais tristesse et amour qui l'ont aimé, ils allaient pour produire du roi. Amen. Amen. Je ne veux pas vraiment très bien traduit ça en italien non plus. Mais écoutez, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut. Tristesse selon Zahm est telle qu'on est ma salut, qu'on ne peut pas regretter. Les gens ne peuvent pas regretter du salut. Mais tandis que la tristesse de ce monde produit la mort. Amen. Bien-aimés, nous devons obéir à Dieu. Nous devons vivre la vie des enfants de Dieu. Nous devons montrer au monde que nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous devons montrer au monde que ce que nous sommes, c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous puissions être. Pour terminer, nous lisons Matthieu 16, verset 26, qui dit ceci. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde? Le monde entier, s'il perd son âme, et que donnera un homme en échange de son âme. Amen, amen. Ni tombe ni. Voilà mon tout pour gagner mon kilo de mon bim, babaye, baye. Que pour perdre un baye. Oh, il m'a coupé ça à l'échange. N'a mon thème oyo, yé, a coupé ça. N'a mon thème oyo, oyo, et quoi y a la caillé sauté. Pour gagner, il n'est pas côté mon kilo de mon baye, bio. Partout, bas, je chante comme mon aïe. Pour gagner lui et le connaît. Que qu'on perdre en naïo. Que mon colombo, colombo, qui combe naïo, et allez dans l'histoire, il y a un bon sens, il y a un bon sens. Ça c'est très important, bien aimé, de ceux-là qui servent Christ, avec des fétiches, avec des marabouts, avec des magies. Vous savez, à Pamba, je ne sais pas si je suis là. Que yon de vous allez bikama, yon de boy la boy, mais kat na yon bikama de ou tina satana. Am na yo, ou ko perdre yango, kolom koloana, ako sa miso yako la kina yen yote. Oh, mais gandina sa ki mi hak, tu te leba te vile,
basi guérison, mais basi qui guérison, c'est pas bon la limite. C'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur, Seigneur qui attraira, mais celui qui fera la volonté de Christ. Celui qui attraira dans le royaume. Beaucoup aujourd'hui font beaucoup de miracles, mais ils finiront par l'enfer. Ils finiront dans l'enfer. Si les miracles ne sont pas vraiment le miracle réel, si ce sont des miracles fabrication locale, si ce sont des miracles sataniques, ils finiront dans l'enfer. Amen, amen. Les grands miracles, c'est faire convertir quelqu'un, faire répartir quelqu'un, puisqu'il y a une joie au ciel, pour celui, pour une âme sauvée. Ce n'est pas le miracle de faire guérir des cancers et des diabètes, mais des miracles, fabrication locale, qui viennent de cimetières. Et c'est une belle perdue. Que Dieu nous bénisse et acclamons notre Dieu. Nous sommes les gens. Makasi, nangambo banguna na yo ezo bomo na makake.